Et salut à toutes et à tous, ici Trigger86 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur MotoGP 21 à la suite de notre carrière en Moto 3. Aujourd'hui, quatrième manche au Portugal, je crois que c'est Portimao si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Portimao. Donc, la dernière fois, on avait remporté, malgré une difficulté augmentée par rapport à la fois d'avant, on a remporté la course qui était sous la pluie. Hein. Ça fait deux courses qu'on fait sous la pluie. Alors attendez, où c'est qu'on voit ça? Voilà. La première à Losail, on était parti 23e, on avait terminé 14e. À Termas, on était parti 6e, on est arrivé premier. Aux États-Unis, on est parti 12e, on est aussi arrivé premier. Donc là, on va encore augmenter la difficulté pour Portimao. Au niveau du championnat, nous sommes donc actuellement premier du championnat avec 52 points. Juste derrière nous, il y a Rodrigo avec 47 points et Darin Binder en troisième position avec 46 points. Voilà. On avait fait deux ou trois flashbacks la dernière fois à cause de l'IA qui nous fonçait dedans dans les épingles. Donc on a fait des flashbacks. Quand on tombe tout seul, on fait pas de flashbacks. Mais là, j'avais pas le choix. Au niveau du développement, écoutez, le cadre, la première partie du cadre est terminée. On va en mettre un deuxième. Soit on met le renfort en carbone du cadre pour augmenter la réduction de l'usure des pneus, ok. Soit l'ajout d'une structure de renfort sur le bras oscillant arrière pour une meilleure réactivité. Mais écoutez, on va faire ça, la meilleure réactivité, ouais. Voilà. On va prendre les. De toute façon, il y a déjà du personnel dessus, ouais. Voilà, donc on va laisser le personnel qui est dessus. Il y a 4 semaines restantes. Ouais, on développe l'embranchement. Voilà, il reste 4 semaines. Impeccable. Il nous reste une semaine pour la première partie du moteur. Donc ça, c'est bon. On a suffisamment de points de recherche. Pas de nouvelle gestion du personnel. Donc, mais écoutez, comme d'habitude, je fais les essais libres ensemble. On se retrouve à la fin des essais libres 3 pour voir si on passe directement en Q2 ou s'il faut passer par la Q1. Allez, c'est donc bientôt la fin des essais libres 3. Nous sommes actuellement dans cette séance deuxième. Alors, Portimao, c'est un circuit que je ne connais pas du tout. Toutes les séances sont sur le soleil, hein, on peut voir ça, la gestion du week-end. Voilà, c'est ensoleillé partout, donc ça faisait deux courses qu'on avait sous la pluie là. Ça sera ensoleillé. Très compliqué, les deux premières séances, j'ai dû faire 20e et 17e ou 13e, je sais plus, sur la deuxième. Là, j'arrive à claquer, j'arrivais pas à passer en dessous au début, la première séance, en dessous des 1,54, je n'y arrivais pas. D'ailleurs, on peut voir au niveau des tests de développement, voilà, 1,54-216, on nous demande de faire 5 tours d'affilée, je n'y arrivais pas à faire 5 tours d'affilée en dessous de 1,54-216. Donc ce test, je n'ai pas réussi. J'ai réussi une fois la trajectoire de la piste à 70% en 1,54-216. La vitesse de pointe, ça c'est facile, donc on y arrive. Et un tour avec la pénalité de Toulon à 1,57, je l'ai fait. Par contre, celui-là, les 5 tours en dessous d'une 54 d'affilée, j'ai pas réussi. Donc la première séance, ouais, pas moyen de descendre en dessous de 1,54. La deuxième séance, j'avais réussi à osciller entre 1,54, 1,53 et 1,54. Et là, avec des médiums et du hard à l'arrière, j'ai réussi à péter à 1,52,7. Mais c'est le seul temps que j'ai fait en dessous de 1,53. Donc c'est très 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 compliqué ce circuit de Portimao. Je n'arrive pas à le mémoriser. Les enchaînements sont super compliqués. La moto glisse énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que ce 1,52,700, je l'ai fait avec un TCS au niveau 2. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas, le TCS niveau 2. Dès que je réaccélère, je pars en vrille. Ça glisse dans tous les sens à cause du dénivelé sur cette piste. Donc le TCS en fait me met dedans et me fait que j'arrive pas à descendre souvent en dessous des 1,54, voilà. Donc là, j'ai essayé avec le TCS 2 en 1,52. J'ai dû faire un ou deux flashbacks parce que j'accélérais trop fort en sortie de virage. Mais bon, voilà, c'est le TCS, je me rends compte, qui me met dedans sur ce circuit. Je vais quand même être obligé d'en mettre un peu plus sur la course, sinon j'arriverai pas à tenir sans me casser la gueule. Donc au niveau des résultats combinés, pour l'instant, mais grâce à ce temps, parce que jusqu'à la fin de la deuxième séance, j'étais pas dans les 12 ou 14 premiers. Hein. Donc là, grâce à ce temps, j'arrive à me mettre 4e normalement, voilà. On peut voir la séance des essais 2, j'ai fait 1,53,400 mon meilleur. Hein. J'ai pas réussi à descendre en dessous. Donc on va accélérer le temps. Voilà. Et donc normalement, si tout va bien, on est quand même qualifié pour la Q2 grâce à ce temps-là. Voilà. Du classement final de cette troisième séance d'essais libres. Donc on fait le deuxième temps de cette séance 3, alors que j'avais fait le 13e en séance 2 et le 20 et quelques 20e par là en séance 1. C'est très compliqué, hein, très 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 compliqué, ouais. C'est Pedro Acosta en premier et Rome Macia en troisième. On va voir les résultats combinés. Donc ça nous permet, grâce à ce temps de 1,52,700, de passer 4e des essais libres, donc passer directement en Q2.
Ça, c'est cool. Allez, on va essayer de faire quelque chose de propre. Nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième manche des qualifs. Les premiers pilotes vont entrer sur le circuit, prêts à se battre pour obtenir la meilleure position sur la grille de départ. Voilà. Bon, on va se mettre en soft pour la Q2. Alors, les pilotes repêchés de la Q1 sont Antonelli, Foggia, Honshu et Fenati. Donc, que du gros calibre. Hein. Ouais. Allez, on va aller changer d'un coup de pneus. J'ai gardé des softs. Des fois qu'on fait deux séances de qualif, j'avais gardé deux softs à l'avant et à l'arrière. On en prend un de chaque. On va remettre du carburant quand même. Hein, ouais. On va se prendre du carburant au max. Ouais. Je préfère en prendre plus. On va rejoindre le circuit. J'hésite à me mettre en TCS2 juste pour la qualif. Je vais essayer en TCS3. On va rejoindre le circuit. Pour qu'on soit minimum 12e. Je rappelle, c'est écrit en haut à gauche. L'objectif de qualif est d'être sur la 4e ligne, c'est-à-dire au moins 12e. Allez, on rejoint le circuit. Départ lancé. Nous allons bientôt savoir s'il cherche à réaliser un bon chrono ou s'il fait des essais pour la course. Allez, on est parti. Là, on voit les tests qui sont réussis à droite. Allez, on va se concentrer. Je vais éternuer là, pardon. Vite avant que ça commence. Putain, j'éternue souvent dans mes vidéos. Allez, TCS est à 3, impeccable. On va rester de toute façon en Power 3, je vais revenir sur le TCS. Cette grande courbe là avant la ligne d'arrivée est très compliquée. Ça glisse beaucoup si on va trop vite. Cette longue ligne droite, une des seules hein, de ce circuit d'ailleurs. L'IA ralentit, hein, comme d'habitude dans les longues lignes droites. Je sais pas pourquoi dans ce jeu. Ah, attention, on a un pilote qui sort là qui va peut-être nous gêner. Bah, forcément il nous gêne. Bon, c'est pas grave. On passe à l'extérieur, ça n'invalide pas le tour. Allez, on se concentre. Forcément, quand je suis en essai libre. Oh là là, ça se croûte. Ah oui, j'ai pas dit ça, mais beaucoup de gamelles de l'IA en essai libre. Ça me fait un peu peur pour la course. L'IA n'a pas arrêté de se croûter pendant les essais libres, mais partout. Alors là, ce virage à l'aveugle est pas évident du tout. Les pneus soft qui chauffent un max ici aussi. Mais très compliqué ce circuit. Moi, je le connais pas par cœur. C'est vraiment pas évident, ouais. Tu vois là, ça c'est un virage plutôt rapide. Là je suis au ralenti, hein. J'ai l'impression d'être au ralenti. Allez, je me mets en TCS3, mais pour la course, je pense que je me mettrai en TCS4, ouais. Là, cet enchaînement est compliqué aussi, là. La moto, elle glisse. Et pour revenir piquer l'intérieur, là, c'est pas évident, ouais. Cette grande courbe aussi est pas facile à prendre. Et là voilà. Putain, l'enchaînement, je l'oublie toujours ici, cette épingle là. Ah, vraiment pas facile. Et là, tu vois, je suis parti, je sais pas où. Oh là là là, une croûte. Allez, un petit flashback, on a l'habitude. Hein. Il y a des épisodes où on en fait, des épisodes où on en fait pas. Voilà, là on fait un flashback, on est en qualif. C'est pas grave. J'ai désactivé d'ailleurs l'autre fois. Non. J'ai désactivé quoi? Putain, je sais plus. Si, j'ai désactivé le fait, c'est la nouveauté dans le jeu, quand le pilote court pour retrouver sa moto, ça nous prend 20 secondes. Je l'ai désactivé parce que l'IA, elle, ne fait pas ça. L'IA, elle remonte directement sur sa moto en 4-5 secondes grand max. Alors, essayez d'améliorer un deuxième tour. Il nous reste assez de carburant. Ouah, par contre, tu vois comme ça glisse. En fait, tu vois, même en TCS3, ça glisse un max, ouais. Ça glisse un max. On est actuellement 3e. Mais c'est que le début des qualifs, ouais. On va essayer d'améliorer le temps et puis on fera que 2 tours, de toute façon, je pense. On n'a pas vraiment le temps d'en faire beaucoup ici. Tu vois, je les connais pas les virages, je braque très mal en fait. Tu vois comme ça glisse en sortie de virage, et pourtant j'ai le TCS au niveau 3. Hein. Ça se prend à fond si on le prend bien. C'est après, c'est l'enchaînement là, si on est trop rapide, ça a tendance à glisser ici. Allez là, on va essayer de repiquer la corde. Tout à l'heure on était un peu loin.
Là aussi, ça se prend à fond. Et c'est l'épingle qui est après ce virage, voilà, qu'il faut pas que j'oublie. Parce qu'on a tout de suite le marqueur de freinage juste à côté. Et tu vois, je suis quand même trop à l'extérieur. On améliore de 4 dixièmes pour le moment. Là, je le prends mieux ce virage que tout à l'heure. J'ai augmenté un poil la difficulté par rapport à Austin. Mais pas trop non plus parce que je ne connais pas trop le circuit. Oh putain, on l'améliore de 7 dixièmes là pour le coup. Alors qu'on a que 4 dixièmes de retard sur la pole. Là, on est vraiment pas mal. Par contre, le pneu arrière, il est rouge. Il est trop chaud. Il est trop chaud le pneu arrière. Tu vois, 1,53. J'arrive pas à descendre en dessous des 1,53. Une fois je l'ai fait, mais voilà, avec le TCS numéro 2. Là, le TCS 3, tu vois, ça passe pas beaucoup. Allez, on a fait deux tours de qualif, je pense que c'est suffisant. On va retourner au stand. Et le voici de retour dans les stands. Il reste à peine 5 minutes dans la séance, on aurait le temps de se faire encore un ou deux tours, mais bon. Nous, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour l'instant, on est deuxième. On va aller voir la séance en direct. Voilà, c'est Sergio Garcia qui signe la première. Oh là là, oh là 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 là, la descente aux enfers. Tu vois, il tourne en 1,52, les meilleurs. 1,53, il titille le 1,53, tu vois, et nous on est quasiment 3 dixièmes de trop, mais ça se tient dans un mouchoir de poche, hein. Il y a juste le premier qui est vraiment à 3 dixièmes, Rome Macia, qui est vraiment au-dessus des autres. Attends, il reste encore 5 minutes, faut qu'on soit minimum 12e, hein, je le rappelle pour nous, 12e, faut pas que ça bouge de trop. Allez, on se qualifie donc 9e, on est sur la 3e ligne, donc on est dans l'objectif de qualif qui nous demande d'être au maximum 4 dans la 4e ligne, donc maximum 12e, donc ça c'est bon. On va pouvoir donc se diriger vers la course, et ça c'est cool, on est plutôt bien qualifié. Par contre ouais, on a du mal, Portimao. Donc là on était sur un TCS 3, je vais peut-être passer sur du TCS 4. Mais ce qui me fait peur c'est l'IA. L'IA qui était très kamikaze, on l'avait pu voir à ça à Austin la semaine dernière. Dans les épingles, elle traçait tout droit, hein, nous rentrait dedans pour passer. J'étais obligé de faire deux flashbacks à cause de ça. Voilà, bon. Nous sommes en direct de la là, si on chute de notre propre faute, je ne ferai pas de flashback. Voilà, sachant que j'ai désactivé le fait que le pilote court vers sa moto, parce que l'IA, elle, ne fait pas ça. Allez, donc, il fait très chaud ici, on va mettre un médium à l'avant. Un hard à l'arrière, voilà, un neuf de préférence, pas un usé. D'ailleurs, le médium que j'ai mis, il est usé, hein, c'est pas bon. Ah oui, il m'en restait un, putain, j'ai eu peur. C'est bon, médium hard, le carburant est au max. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. En première position, on a donc Macia, Acosta, McPhee. Deuxième ligne, Alcoba, Toba, Rodrigo. Troisième ligne, Artigas, Garcia et nous-mêmes. Foggia, Fenati. Eh bien, Binder, il est où? Il est que 14e, Binder, hein. Binder qui était très bon en début de saison, là il est que 14e. Allez, la grille c'est bon. Le commentateur ne parle pas aujourd'hui. On va se mettre en TCS 4, ouais. Allez, c'est parti. Oh là là, qui a raté son départ là à côté, je sais pas. On se met en TCS 4, voilà. Attention à pas les faire trop chuter les autres et à pas se faire trop pousser non plus. Oh, attention, on est venu nous titiller la roue arrière. Déjà un accident derrière, je sais pas qui est-ce qui est tombé. Oh, attention là, sur le vibreur, à pas faire de bêtises. Allez, on reprend notre 9e position. Ah là 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 là. On prend très large, mais bon, ça passe sur le pilote Léopard. Il faut que je me concentre, hein, je ne connais pas le circuit. Ouah, ça chute devant, c'est la catastrophe. 3 ou 4 pilotes qui viennent de tomber d'un seul coup, là. Ah ouais, j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi, quand j'ai vu comment que ça chutait lors des essais libres. Attention, la moto qui glisse là. Ouh là là là, j'ai préféré me redresser là parce que comme Artigas il a foncé là dans le virage. Oh attention, les bêtises là, on en fait. Alors les cinquièmes, c'est pas mal, c'est pas mal. On conserve. Oh là là, Artigas qui tire tout droit et qui chute. Je l'ai dit, ça tombait trop lors des essais libres.
ça tombait trop déjà lors des essais libres. Comme on est déporté dans cette courbe, c'est hallucinant. Oula, par contre, je suis toujours. Faut que je repasse en power 2, moi. Donc là, on va voir les lignes droites. Hein. Depuis le début de la carrière, on voit qu'en ligne droite, ils ont du mal. Ils ont énormément de mal en ligne droite. Là, peut-être un peu moins là, que sur les autres courses. Mais tu vois, on a quand même rattrapé Denis Foggia hein, dans la ligne droite. Allez, on est quatrième ben, grâce aux chutes. Hein. Regarde ça, ils sont carrément à l'extérieur du circuit, les pilotes. Il va falloir faire attention hein, parce qu'ils sont très 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 kamikazes. Hein. Attention au freinage là. Hein. À Foggia, qu'il fasse pas de bêtises, s'il te plaît. Allez, est-ce qu'on peut le recroiser là ? Par contre, on n'est pas du tout dans la trajectoire. On est trop loin de la corde là. Non, c'est bon, ça passe. Ah, c'est compliqué. Ah, et nous, on sort à l'extérieur, malheureusement. Oh là là, les vibreurs sont méchants ici. Il y a encore des chutes derrière. Je sais pas du tout qui est tombé. C'est dommage, on n'a plus l'affichage, en gros, pour voir qui est tombé. On avait ça avant. Je l'ai déjà dit. Allez, là, c'est cet enchaînement que j'aime le moins, là. Allez, on se concentre. Nous, c'est un circuit qu'on connaît pas trop. J'ai fait quelques tours. Attention! Waouh! Wow. On va faire comme l'IA, tu vas voir. Hein. Allez, faut pas qu'on lâche Denis Foggia. Ça chute encore derrière. C'est parti au Foggia, là. Me fais pas peur, s'il te plaît. Allez, il a fait une petite erreur là dans la courbe. Ce qui nous permet de prendre la troisième position, de monter sur le podium. Et beaucoup d'accidents. On voit des accidents qui s'affichent. C'est Acosta toujours premier. Et on signe le meilleur tour pour le moment. Attention les vibreurs qui sont méchants ici là. Ah ouais, tout à l'heure, hein, premier tour ou deuxième tour. On a 3-4 pilotes qui sont tombés en même temps. Allez, faut pas qu'on les lâche les deux là. On a failli tomber à un moment. Hein. Le vibreur, il nous a fait danser la moto. Et encore des accidents derrière. Attention, nous par contre, on a fait un freinage un peu trop tardif. Au niveau du carburant, on est pas mal. Hein. Tu vois, il nous regarde Massia, il a vu qu'on était là. Allez, on maîtrise un peu mieux la Portimao. Ça rentre petit à petit, qu'on enchaîne les tours. Voilà, ça, c'est juste la succession de virages que j'aime le moins ici. Celle-ci, j'ai pas trop compris comment la prendre comme il faut. Allez, on va pouvoir passer peut-être un petit coup en Power 3. Allez, ne pas oublier l'épingle là à gauche, que j'ai tendance à oublier. Ah là là, ça chute, Massia. Tu vois, l'IA, je l'avais dit. À chaque fois qu'il va y avoir un accident devant nous, je vais le répéter, mais je pense qu'on va terminer premier grâce aux chutes de l'IA. Et pourtant, j'ai augmenté la difficulté. Hein. Pourtant, j'ai augmenté. Encore un accident derrière. Allez, qui c'est qui nous talonne ah non, Massia qui a 2 secondes. Acosta, toujours premier. Le Power 3 qui va peut-être faire le travail. Ouais, regarde comment on remonte sur lui. Et ouais, on va être premier grâce aux chutes. Enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'il va pas tomber lui devant. Peut-être que nous aussi on va tomber. Hein. On n'est pas à l'abri de se casser la gueule. Regarde ça comme il sort large là-bas. Attention, nous on va pas aller sur le vibreur quand même. Alors on va passer en Power 2, on a un petit peu user du carburant, le surplus. Mes phrases, elles veulent rien dire. Hein. Je dis tout mélangé dans mes phrases tellement je suis concentré, j'arrive pas à parler quoi. Oh, attention là, j'ai failli couper le virage là. Wow. Chute encore derrière.
Il y a v'là les chutes en fait. D'accord, mais il accélère là ici par contre, Acosta là. Alors attention ici, que ça glisse un petit peu. Ouais, nous c'est la chute, c'est la chute. Allez, vas-y, remonte vite sur la moto. Voilà, j'ai désactivé le fait de courir vers la moto. Allez, on arrête nous les flashbacks quand on ne rentre pas dedans. On se retrouve donc sixième malheureusement. Ah là 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 là. Voilà, là j'ai pas fait de flashback puisque c'est nous qu'on a chuté tout seul. C'est notre propre faute. Et là encore une chute devant. Il y en a deux qui sont croûtés, hein. Rossi et je sais pas qui. Regarde où il est rendu du Pasquier là. Attention, il va revenir sur nous. Allez, on passe, reprend la quatrième position. Ok, ça c'est cool. Enfin, c'est cool, non, parce qu'on a chuté. On a quand même le meilleur tour, par contre, en 1.53. Putain, il tournait en 1.52 en qualif, là. Attention, là, au pilote Léopard, qui nous fasse pas de bêtises. Il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. Foggia, là, il s'est déjà croûté en plus. Attention, nous, on va pas prendre trop les vibreurs intérieurs. C'est ça qui nous a fait croûter tout à l'heure. Allez, on a repris un peu de carburant. On va pouvoir bientôt passer en Power 3. On est quel tour, là? On est 5e tour sur 7. Allez, on recroise là Foggia, qui a tiré tout droit. Parce que dans les épingles, ils ont tendance à être un peu kamikaze. Oh, attention, on est parti où? L'arrière qui glisse. Oh là 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 là, c'est pas bon du tout. Allez, une petite bataille là avec Denis Foggia. Qui me fait un peu peur pour le coup. Allez, attention, le virage que j'aime le moins là. Oh là là, je suis parti où? Je suis parti très très loin. Attention, pas faire tomber Foggia et à pas l'emmener avec nous. Allez, faut qu'on passe en Power 3 là, absolument. Une chute encore derrière. Attention, il me fait peur là. Oh là là là, il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. L'autre, il était carrément à l'extérieur. Oh là 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 là. Oh, Masia par contre était carrément à l'extérieur là-bas, ouais. Allez, on va rentrer dans l'avant-dernier tour. On a un tour et demi de carburant d'avance. On va en brûler un petit peu. Faut qu'on se dépatouille un peu de Foggia là, qui m'a fait peur. Et Acosta qui s'envole. Attention, le vibreur là, pas les trop les titiller là. Parce que là, c'est ce qui nous a fait tomber. Putain, il roule pas mal à l'extérieur, Masia, ouais. Allez! Attention, on va pas se faire rentrer dedans, surtout dans les épingles. Freinage un peu tardif encore une fois là. J'ai du mal à rester à l'intérieur de ce virage. Là, attention au virage rapide ici. Ça glisse, ça glisse. Le pneu commence à être pas mal usé. Allez, on a quasiment une seconde d'avance là derrière. Ah non, on a 6 secondes d'avance. Comment ça se fait? Il y a écrit... Ah non, ah non, on a 6 secondes de retard sur le premier, d'accord, c'est ça. Putain, je comprenais pas les temps intermédiaires qui étaient écrits là. Le premier par contre il tombe pas lui hein. Allez, on va bientôt terminer cet avant-dernier tour ici, à Portimao, Portugal. Est-ce qu'on va réussir à passer en deuxième position? On a pris une seconde et demie là, Foggia derrière nous, qui a eu une belle bataille avec lui pendant un petit moment. Là, on arrive sur Masia, et il est loin, ouais, il est loin, Acosta.
Allez, peut-être on peut la passer. Oui, ça passe ici. Il est là-bas, Acosta. On le voit, le petit point noir là-bas. Allez, on va repasser en power 2, nous, parce qu'au niveau du carburant, je suis pas sûr que ça passe. Oh là là, on est parti où? On est parti où? J'ai tout lâché les gaz parce que j'avais pas envie de tomber. Allez, faut qu'on sauve ce podium là. Aïe 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 aïe, je fais des bêtises, je fais des bêtises. C'est pas bon. Accident derrière encore visiblement. Allez, faut qu'on conserve hein, cette troisième position. Faut pas qu'on tombe. Surtout pas. On a déjà une chute à notre actif ici. C'est grâce aux multiples chutes de l'IA qu'on arrive à se mettre à cette position. Ouh là là, c'est dangereux ce que je fais moi. Allez, est-ce qu'on peut passer devant Massia avant la fin? On va passer en power 3, on a un peu de carburant. Essayer de lui faire peur à Massia. Allez, c'est tout. C'est maintenant ou jamais la deuxième position. Derrière sa chute. Massia qui part très très large. Attention, quand il va revenir sur nous, on s'empare de la deuxième position. Et juste avant la fin, deuxième position. Ah, et franchement, la course était intéressante là. Bon, il y a eu pas mal de chutes de l'IA. Je m'y attendais vu ce qu'on avait pu voir lors des essais libres. Les stars de cette course palpitante. Mais bon, le dernier tour. On finit deuxième derrière Pedro Acosta hein, qui signe un meilleur tour en 1:53.914. Nous, on fait 1:53.112. Le meilleur tour, c'est pas nous. Hein. Le meilleur tour, il est plus loin apparemment. Voilà, 1:52.2 pour Andrea Migno. Franchement, excellent pour lui. Et on a, oh là là, des pilotes qui ne terminent pas du tout la course. Ah, mais on n'est que 16 à terminer la course. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'il y a la moitié des pilotes qui n'ont pas fini. Il y a 13 pilotes qui n'ont pas terminé la course. Incroyable. Énormément de chutes. Donc on finit deuxième sur 16, en fait. Ok, ok. Bon. D'accord. Cette deuxième place va peut-être lui laisser un petit goût amer, mais il gagne tout de même 20 points précieux qui lui permettent de rester dans la course lors des prochaines épreuves. Deuxième, c'est bien, hein. On avait augmenté la difficulté, c'était un circuit qu'on connaissait pas. On peut dire merci à l'IA qui chute, hein, pour le coup. Donc on, la deuxième position, on la prend, hein. On la prend volontiers. Parce que là, on était handicapé sur ce circuit qu'on connaissait pas. Allez, on prend la réputation. 900, on a atteint tous les objectifs hein, de passer, d'être en quatrième ligne lors des qualifs. On était 9e. L'objectif du top 15, c'est fait. On arrive 2e. Donc ça, c'est impeccable. Les crédits, bah, écoutez, on prend 6290 crédits. C'est bon, on va pouvoir embaucher du nouveau personnel si jamais on a ça. Accéder au Q2, c'est bon. C'est les recherches de données. Voilà, il y a une seule chose qu'on n'a pas réussi. C'est le rythme de course hein, qui était assez élevé. Et le meilleur temps en course aussi, on l'a pas fait, d'accord. Donc c'est pas grave, on en a réussi 4 sur 6, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, ainsi se termine ce quatrième épisode. La prochaine fois, ça sera en Espagne. Il y a plusieurs circuits en Espagne, je sais pas lequel ce sera. On va voir ça, ça sera à Rérez, d'accord, ok. Au circuit machin de la Frontera. Bref, le moteur en plus est terminé, on pourra développer autre chose dans le moteur. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Je vous dis portez-vous bien en attendant la semaine prochaine. Et en attendant, ciao, bye bye.